Allez, salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour une nouvelle vidéo Sao Ars. Les amis, Sao Rising Steel, hein, on va l'appeler Ars, il s'appelle comme ça, du coup, en abrégé. Et donc du coup, nouvelle vidéo les amis, la dernière fois je vous ai présenté le jeu. Alors c'est assez bizarre de le dire parce que je n'ai pas encore filmé la vidéo, alors où je vous parle, la vidéo où je vous présente le jeu. Et donc là aujourd'hui les amis, nous allons faire notre première invoque avec vous. Et donc du coup... je pense que je vous aurais raconté hein, les deux portails qui se sont passés, enfin tout ce qui s'est passé depuis le début du jeu. Et donc les amis, aujourd'hui, nous allons faire une multi sur Sortilinéa et sur son arme, évidemment. Donc du coup, alors, ça serait sympa d'avoir Sortilinéa, effectivement, mais je serais pas contre d'avoir Alice, parce que Alice, je ne l'ai pas encore. Donc du coup, écoutez les amis, on croise les doigts, hein, clairement, fort, très fort. Donc du coup, dans ce portail, il y a Sortilinéa et aussi tous les persos en hors détecteur, sauf que la Miss, hein, celle-ci, a un drop plus élevé que les autres. Bon, bah du coup, nous sommes partis. Alors... peut-être juste mettre une pointe de son, j'espère que vous l'entendrez pas, mais normalement vous n'allez pas l'entendre. Allez, c'est parti. Attention. Donc je pense que je vous ai raconté le système d'invoque, hein, comment ça se passe. Alors. Oh, allez, s'il te plaît. Quelque chose, s'il te plaît. Allez. Ronnie ou Alice, ou peut-être même Sortilinéa. Ah là là, pour l'instant il n'y a rien. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là là, il y a que dalle. Oh là là, il y a R. Ah, il y a que dalle. Ah bah ouais. Ouais, ouais, là, il y a que dalle, que dalle. Mm. À moins qu'on ait Zinedine, mais là, ouf. Ouf. Là, je crois qu'on a rien. Peut-être qu'on aura plus de chance avec les armes, peut-être. Ah, dommage. Ah, je ne le connais pas, lui. D'Akira. Aïe. Dommage. Nazuna, ok. Ah! C'est pas la R4, hein. Oh là là, ouais, que dalle. Oh là 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 là. Putain, tu vas rien me donner, c'est pas cool. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool. Ah là là. Ok, bah c'est terminé. Ok, bon bah on a pas eu Sortilinéa, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, la multi d'armes, on croise les doigts. Hein, s'il vous plaît, une petite anime quand même. Petite animation, allez, une petite épée violette, ça serait stylé. Allez, une arme, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Allez. Oh là là. Elle est bleue, en plus c'est une, c'est la Blue Sword. Rien de spécial. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh, oui. Oh, on a eu, bah on a eu l'épée de Sortilinéa. Cool. Bah ça fait plaisir. Nice. Écoutez, nice. L'épée de Sortilinéa qui tombe, ça fait plaisir. Écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est à nouveau une EPO. Et une EPO, j'en ai 3, avec la Blue Sword maintenant. Enfin, avec 2 Blue Sword et l'épée de Sortilinéa. Donc, bon. J'en ferai l'épée de Kirito. Hein. Je vous cache pas que l'épée de Kirito, aïe aïe aïe, si je l'aurais eu, ça aurait été incroyable. Mais bon, ça fait plaisir de dropper parce que là, j'aurais dû avoir rien en fait. Il y avait eu 0 anime, pour le coup. 0 animation. Donc, c'est une zizou, ça fait plaisir. Ah, dommage. Allez, peut-être une deuxième. Ah, dommage. Dommage, dommage. Là, peut-être. Ah, putain. Lame de vent, et c'est tout. Ok. Bon, on aura eu l'arme de Sortilinéa, au moins. C'est pas mal. C'est pas mal, les amis. Ouais, c'est bien son épée. Ok. Donc, 832 d'attaque, 760. On va voir si c'est meilleur que les épées de base. Après, il y a du hors des techs, hein. Il y a encore les épées de Ronnie teasées qui ne sont pas présentes. Mais on peut voir qu'en attaque, c'est la plus forte. Et en... crit, j'imagine. MATK, ça va être le crit. Et en crit, c'est combien? 760. Ah non. Ah oui, la Blue Sword est vachement équilibrée. 760, ah oui, c'est... ouais. Ok, c'est la plus faible. Ok, c'est la plus faible en 760. Mais en attaque brute, c'est la plus forte. D'accord, ok, bon. Pourquoi pas. Bon, bah les amis, on va s'arrêter ici. On espère que ça aura plu cet épisode, cette première invocation de Sao Ars. Bon, bah dommage, j'ai rien eu de folichon, j'ai l'impression. Bon, hormis l'arme de Sortilinéa qui fait plaisir, hein, mais j'ai pas eu le perso. J'aurais préféré vous montrer une anime de perso, mais bon, normalement vous avez tout vu dans les deux précédentes, pardon. N'hésitez pas à les voir hein, si vous voulez savoir
toutes les animes qu'il y a sur le jeu, enfin, disons un bon 80%, hein, peut-être qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas vu, mais je pense qu'on a vu le gros du gros dans l'épisode précédent. Et donc voilà, merci à regarder, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir, ça m'aide beaucoup, allez à très vite les amis, bye tout le monde.